Salut la Pixie Army, ou plutôt oh la Pixie Army, j'ai mon bretzel. Là je vais aller au Mark Twain parce que j'ai besoin d'un petit peu de repos. Voilà, il fait tellement chaud que ça va être l'occasion de faire une petite parenthèse à Londres et tout, et de découvrir l'endroit d'un point de vue différent. Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi. C'est trop stylé parce qu'en fait là-bas vous avez Tiana du coup qui rencontre les guests, et là c'est la musique de la Nouvelle-Orléans. J'adore, j'aime trop, je trouve que ça met une ambiance de fou. Et là on va aller visiter le bateau ensemble. I'm gonna blow my horn till the cows come home and everybody's gonna bow down to me. Down myself again, I want just the life I've had. A great big party every night, that doesn't sound too bad. A brunette on my left hand and a redhead on my right. A blonde or two to hold the candles, that seems just about right. Right, Jonah? Laugh at your money, done you down. We only serve to have some fun, that's the way things are. So when I'm human and I'm gonna be. Du coup, de voir les Rivers of America, ça m'a grave donné envie d'aller dans une attraction un peu aquatique. Je peux pas faire Splash Mountain, donc du coup, je me dis que je vais faire Jungle Cruise, voilà, et vous emmener avec moi la piscine. He would be really bad grammar. Coming up on your left right here is our first resident of the Jungle Cruise. This is a Bengal tiger. Ooh. Now you can weigh up to 500 pounds and jump over 30 feet. Now what you're thinking, don't worry, we're only 15 feet away. He'll jump right over us. Looks like we're entering into the sacred Indian elephant bathing pool. Everyone, feel free to take as many photos as you'd like. Looks like they remember to wear their trunks. You see Bertha right over there. She's been in the shower for far too long. Look at all those wrinkles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'attraction Jungle Cruise, c'est une attraction qui est très très connue dans les parcs américains, qui existait d'ailleurs du temps de Walt Disney si je ne me trompe pas. Je vous conseille, si vous voulez la faire, de vraiment bien parler anglais, parce que tout est basé sur l'humour de la cast member en fait, sauf que si vous ne comprenez pas l'anglais et pas les blagues, bah, ça va pas fonctionner, vous voyez. Et c'est un film qui va sortir, je sais plus si c'est cette année ou l'année prochaine, avec Emily Blunt et Dwayne Johnson dedans, et je sais pas si ça marchera en France. Je trouve ça assez audacieux de refaire une nouvelle, un nouveau film sur une attraction un peu comme Pirates des Caraïbes a pu l'être. Donc, let's see. Welcome to the theater, the famous royal theater. And while we're in the theater, I still have to play. Using our imagination as well as good enunciation. Together we will be creating a creation that will take your breath away. Is it one? Is it one and only? Mademoiselle Belle! Bonjour, Monsieur Jones and Mr. Smythe. Bonjour and welcome to the Royal Theatre. Oh, why, thank you. I'm so excited to be here and help tell my story. As are we. In fact, we shall play most of the roles in your story. Yes, I shall pretend to be Gaston. And I shall pretend to be the Beast. And you shall pretend to be the Bell. But I am the Bell. Bell is cast upon you. Enough, you lived in the castle. As for the rose, it too is put under a spell. If we continue to play him until this, the prince is 21st year.
As you can see, the petals have begun to fall. Ah, what if they please can love another? And in her love, while the last petal falls, then the spell will be broken. We'll all be human again. If not, you'll remain a beast for all time. Oh, what's the use? She'll never see me as anything but a monster. Ah, perhaps Ares awake will help her see the good. But how? Ah, well, to begin with, you must learn to be kind, but courteous. You simply must behave like the prince you really are. Unfortunately for us, the kingdoms of the three leading experts on princely behavior are here with us today. Oh, this will never work. Oh, you must try. For all our sakes, you must try. You kick, you scrunch, part of a ray, the audience goes crazy! Perhaps I jump to conclusions. You know it's true, you really can't judge a book by its cover. Ah, the moon is arrived, the lights are dim. If music be the food of love, please sing along! Il y a pas mal de princesses qui alternent, mais moi j'ai encore eu la Belle et la Bête et ça me fait beaucoup rire parce que bah du coup en fait c'est les contes mais revisités avec une touche d'humour, avec une grosse bonne touche d'humour même. Et là ils parlent en français donc c'est assez marrant à certains passages. Bon, et donc là retour à Peter Pan, j'avais essayé de le faire la semaine dernière sauf qu'il était tombé en panne donc j'avais pas pu. Et là j'y retourne, je croise les doigts très fort pour pouvoir le faire parce que je l'ai jamais fait ici. Regardez la petite Siamis que j'ai vue dans la queue, ça et ça, c'est des références au roman de J.M. Barrie. Je sais pas si vous les verrez bien, mais je trouve ça très mignon. D'aller faire Peter Pan ici parce que c'est très pour très exactement la même version que celle qu'on a à Paris, donc pas de réel intérêt. Et là du coup je vais aller faire une pause à mon hôtel et revenir plus tard. Je me sens un peu patraque donc je vais pas forcer, je vais me prendre une petite pause et puis bah je reviens après. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai été à l'hôtel me reposer un petit peu. Maintenant je suis de retour pour aller au Disneyland Resort, sauf qu'il y a eu tellement de monde dans la queue pour passer à Downtown Disney que je suis à la bourre de malade. Donc ce que j'ai fait c'est que du coup je vais essayer de prendre le monorail pour aller à Tomorrowland pour ensuite avoir mon fast-pass pour Haunted Mansion et ensuite arriver à temps pour le spectacle nocturne spécial Halloween parce que celui-là je veux vraiment pas le rater. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que il y a du boulot. Cette histoire de monorail, ça m'a fait gagner un temps précieux, surtout qu'il y a un monde monstre
feu là sur le parc. Donc très très bon gain de temps. Et là je fonce sur Haunted Mansion. Waouh. Elle est magnifique de nuit aussi hein. Ce que je peux vous dire c'est que de nuit c'est absolument magnifique, tout est illuminé. C'est très très joli, ça donne une ambiance encore supplémentaire, je suis complètement fan. Alarming. So relax and reflect. Feel free to take pause while we tell you a tale about dear Sandy Claus. Mais c'est une plaisanterie, je me refais bloquer dedans, c'est la deuxième fois là. En plus regardez qui joue sur moi, la Pixie Army. Avec Alex, j'adore ce show et après je vais courir pour avoir le show d'Halloween qui est diffusé sur le théâtre, qui est diffusé sur le château. Demain matin, donc j'ai hâte de voir ça et de faire découvrir ça avec moi.
Là, le show que je m'apprête à vous montrer, la Pixia, je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai des problèmes de focus. C'est un show qui normalement est présenté pendant les soirées d'Halloween à Disneyland Resort. Donc du coup, c'est la première année, je crois, que c'est accessible au public sans avoir les soirées, puisque les soirées sont cette année à California Adventure. Donc encore plus honorée de le voir, et j'ai une super place. Alors que franchement, j'y suis allée au culot, je suis passée en dessous de la ligne, et comme j'étais toute seule, et bah du coup c'est passé. Mais je trouve ça assez ouf. This, you ask? Well, let me show you. We'll call out the spirits to socialize. After all, my friend, this is Halloween. Yeah.